Hey bien salut tout le monde et les amis, c'est Flumushi, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se fait une vidéo double caméra, toi-même tu sais. Et aujourd'hui on se fait une petite café collector pour un petit unboxing. Donc voilà, donc les amis, on va se faire plaisir, on va se faire ce petit unboxing. En tant que mon caméra, plus la caméra là, et la caméra là-bas, voilà, il y a deux caméras. Donc, caméraception, comme dirait certains énagos de France de l'écoute. Voilà, donc c'est parti, on va se faire le petit unboxing. Voilà. ASMR, bien sûr. Voilà. Il y avait un petit coup d'ASMR. Voilà, petit truc l'imicadron. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? What the shit! Mon dieu, j'ai la réaction sur 20. Oh, le shit! Il est neuf en plus le jeu! Il est neuf! Pour un jeu Nintendo Switch! J'ai du neuf partout. Oui, magnifique. Le Windjammer. Oh mon dieu, magnifique. On va peut-être l'ouvrir. On va peut-être l'ouvrir ensemble. Je sais pas si j'ai un petit cutter. Un petit cutter ou autre. Ouais. On va déblister. Putain, je suis chargé avec la souris. Là, le bureau, il est vraiment chargé. Elle me fait des conneries, cette souris. Voilà, hop, on déballe. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans dans ce collector? Limited Run. Alors c'est vrai que je n'ai pas commandé dans le site. Pour la plupart, ils vont me dire, ah, t'as acheté un truc Limited Run, pourtant tu te dis que t'aimais pas les Limited Run, etc. Ouais, mais là, c'est parce que c'est Windjammer, donc un jeu Neo Geo, pour la plupart, il y en a qui connaissent ou pas. Donc voilà. Et voilà, c'est un fourreau bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, on a une frisbee. Donc voilà, la frisbee. Là, t'as l'OST. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Je sais pas comment je vais l'ouvrir. Faut que je voie comment on fait ça. L'OST. Et le jeu. Voilà, le jeu qui est neuf, ce mystère en limited run. Voilà. Et on va essayer de... je vais essayer de voir pour le sortir. Oh. Oh, avec un poster en dessous. Moi bah, je vais vous montrer. Le Baby. Voilà. 94/2017. Windjammer, Data East et Dot Emu. Voilà. Data East, ceux qui ont fait aussi la licence. Oh, ils ont fait pas mal de jeux, hein, Data East, hein, je le précise. Ils ont fait aussi les Magical Drop. Un excellent jeu que je kiffe à mort. Et là, Windjammer, je me suis dit, tiens, il faut que je le prenne parce que celui-là, sur Switch, et en plus, ils vont annoncer le 2 donc sur toute plateforme et je vais peut-être le prendre sur Switch. Donc, magnifique. Et voilà le poster que je ne peux pas vous montrer en grande en plus loin parce que. Voilà. Ah, le poster. Ça va être disposé même le jeu je crois. Parce que l'OST est génial. L'OST est génial et le jeu est génial. Voilà, pour un Windjammer. C'est vraiment du top, du top, de chez top. Avec le petit bien sûr, le petit truc de l'exercer, bien sûr. Et là. Alors. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Là il y a des gens qui sont en train de me dire, mais qu'est-ce que tu en penses de ce collector? Bah franchement génial. Bon là c'est mon premier jeu américain, je précise. Bon américain mais limited run hein, bien sûr. Attends, je vais peut-être le déguster aussi tu vois. Hop. Je vais peut-être le déguster. Parce que ce jeu là, il va être joué, ça c'est sûr. Il va être joué. Windjammer, ça sera vraiment joué. Ou Flying Power Disc au Japon, hein, bien sûr.
Japon du nom de Flying Cover Disc. Voilà. Et moi, franchement, oh, oh, avec une petite flèche. Ah oui, regardez-moi ça. Ah oui, il y a un code barre, je l'avais pas vu. The Windjammer Axe Notice. Première fois qu'il y a une notice. Une notice quoi. Bon, c'est de la notice anglaise, hein. Bien sûr, c'est de l'US, donc LTSC quoi. Franchement, la jaquette de la notice fait penser à une boîte de Neo Geo. Hop, petite cartouche du jeu. Alors, il existe aussi sur. Plus, on veut dire. Plus. Voilà. Mais il est aussi disponible hein, sur PS4, PS8 hein, aussi. Ceux qui veulent, la jaquette arrière, voilà. Donc, la jaquette réversible, on va dire, ouais. Jaquette réversible. Moi j'aime bien celle-là parce que c'est la jaquette la jaquette dans les cartouches AES. Donc ouais, franchement, si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, on peut même essayer de faire des lives, si ça vous dit aussi. En attente du nouveau machine 4G, étant donné que tu sais, voilà. Hop, je vais peut-être la carte aussi, l'indicateur de dedans. Voilà. Et c'est là, 362. Il y a des cartes différentes. Toutes les personnes qui collectionnent des cartes indicateur de les cartes. Les cartes Limited Run, mais la plupart ils ont des numéros différents en fait, c'est de l'aléatoire. C'est un peu comme les. Comment on appelle ça tout ce qui est cartes à collectionner quoi. Là, on va ouvrir l'OST. Je vais ouvrir l'OST. C'est le cas. Ah, c'était que je l'ouvre. Parce que l'OST, je crois que je vais l'ouvrir et écouter les OST. Et pourquoi pas les graver via la PS3, parce que j'ai pas de lecteur CD sur mon PC. J'aurais bien voulu les écouter. Pour mon avis, si tu vas le petit. Non, c'est la jaquette normale. Cool. Trop cool. Franchement, je suis trop content. Windjammer, de toute façon, ça, c'est sûr que je vais faire des parties en ligne. Dire que j'avais joué sur PS4. Voilà. Mais comme c'est du démat, j'ai vu qu'ils ont fait une version matérielle. Mais bon, je suis pas. Ok, il y a des gens qui vont me trouver que je suis chelou. Flo, ouais, t'achètes des Limited Run, mais en fait, ils disent que pas. Tu veux collectionner du PewDiePie. Ouais, ok. Mais j'achète du Limited Run. Ah, c'est pas un Limited Run que j'ai acheté sur le site, j'ai acheté ça sur eBay. Voilà. Pour le prix de 100€, hein, bien sûr. D'un côté, ouais, franchement, le prix, c'est vraiment abordable, quoi. Et en plus, c'est neuf. Bon, voilà, c'est déjà limité, maintenant, la valeur va des côtés. Voilà. Mais, franchement, voilà, quoi, je suis content. Windjammers, quoi. Putain, j'ai dit, ouais, il me le faut, quoi. Il me le faut, ce jeu. Il me le faut. En plus, je peux jouer avec mon stick arcade, donc ça va être génial. Donc, idéal pour les soirées, avec mon époque, bien voir la baraque. On va tester ça, on va peut-être se faire une vidéo, je suis sûr, voilà, je vais vous dire tout de suite. Il va y avoir un test dessus et donc voilà. Donc c'est génial, voilà. Donc voilà, donc sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu pour ce Café Collector numéro 7. Oui, 7ème Café Collector. Voilà. Ça monte. Comme dirait l'autre, ça monte. Hein. Et là, j'espère que le prochain Café Collector va vous plaire. Donc sur ce les amis, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était Flo de la chaîne Café Gaming, je vous dis bye. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.